Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. Quatre terriens de choix avec nous ce soir, Muriel Robin. Muriel, bonsoir. Alors vous revenez après 8 ans d'absence, vous pensiez que sur scène on pouvait pas faire plus drôle que Nicolas Sarkozy, c'est ça? Vous comprenez tout, très vite, voilà. Tout de suite, c'est formidable. Mélissa Theuriot. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez chez les Maasai et pour nous révéler qu'en traversant le désert, vous avez croisé Bernard Montiel. J'ai pas eu cette chance. Bruno Le Maire. Alors, Bruno, bonsoir. Alors, vous savez que si vous devenez président de la République, il va falloir faire fort pour nous étonner, question meuf, parce qu'après Carla Bruni et Julie Gaillet, faut moins que vous fassiez Madonna. Surtout qu'en la matière, comme vous savez, je suis très classique, marié depuis 16 ans, 4 enfants, ouais. Voilà. Pas d'originalité particulière. Pas, on compte pas sur vous pour que non, vraiment pas, là. Et Thomas Touroud. Thomas Touroud, bonsoir. Alors, votre émission, le Bifort du Grand Journal, fait partie des bonnes surprises de l'année, avec la mort de Éric Priebke, le criminel nazi. C'est vrai qu'en 2013, les bonnes nouvelles ont été assez rares. Assez rares, c'est vrai. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h, ce soir Sandrine Diouf, qui raconte dans son livre « Au-delà de la vie, la lente agonie de son mari Mousdjouf ». Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Mélissa Theuriot, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez passé 2 semaines chez les Maasai pour l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en Terre Inconnue, diffusée mardi sur France 2. Entre nous, c'était pas tellement plus fatigant qu'un week-end dans la famille Debbouze, non? C'est différent, il y a des points communs d'ailleurs. Oui. Mais non, c'était à la fois éprouvant et assez magique. Je pense que c'est une expérience forte et j'ai eu la chance de la vivre. Alors, vous avez déclaré, on dort peu. On ne se lave pas, on mange mal. Qu'est-ce que vous avez mangé de plus pourri? Une espèce de soupe faite à base de chèvre, hyper mangeable, ouais. Vraiment. Et vous l'avez mangé quand même? On... Parce qu'il y avait Lopez, mais je sais, il vous force, non? Oui, c'est lui qui a failli vomir d'ailleurs, j'ai été plus costaud que lui sur ce coup. Et pourtant il a l'habitude. Et pourtant il a l'habitude. Alors c'est vrai qu'il a fallu couper beaucoup de putain, qu'est-ce que je fous là moi, non? De nombreux, je crois. Ils ont fait un beau boulot. Il y avait aussi merde, ramenez-moi à Paris. Vous savez qui je suis au moins, non? Non, ça non. Non. Vous n'avez jamais flippé ici? Non, j'ai maudit Fred Lopez. Et la réussite du programme réside là-dessus. C'est qu'on galère avec eux, qu'on est fatigué, qu'on ne dort pas, qu'à un moment on craque. C'est le ton. Forcément... Muriel, vous l'avez fait, vous? Oui, mais j'adore le ton. Grave. Tu verrais ta tête, tu la regarderas. Oui. Je te jure. C'est, mais, non, mais tu sais par quoi je suis passée. Un truc, quoi, ensemble. Non, mais si tu puisses dans tes souvenirs, tu es passée si par des étapes oui, aussi un peu, oui. Non? Peut-être quand on m'a laissée toute seule dans la hutte, à me dire tu vas dormir là, parce qu'il y avait un mec, comment il s'appelle, c'est... Oh, je les mélange tous, ces peuples. C'est Zimba. Zimba, il y en a qui me draguaient, dis donc, un coup de cœur. En même temps, c'est les gars, ils sont assez faciles pour faire. Je dirais pas qu'ils sont précisément mal tombés sur moi, c'est pas vrai, parce que je savais pas, en fait. Mais ils me plaisaient pas du tout. Ouais. Dans la cahute, où il n'y avait pas de couverture, une terre battue, comme ça, je me suis dit, ne fais pas ça, ma fille, tu vas le regretter. Bon. C'est ça. Et pas fait. Ouais. Oui. La grande découverte de Mélissa Theuriot, c'est la polygamie. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez a priori aucune envie de partager votre mari, mais vous avez découvert une polygamie harmonieuse, loin des clichés sur le sujet. Vous dites qu'il n'y a pas de compétition entre elles, ni de jalousie. Elles se protègent toutes, elles mangent, elles chantent, elles dansent ensemble. C'est intéressant de revoir ces clichés, les préjugés qu'on Bien peut sûr, avoir. C'est l'intérêt. Oui. Et la polygamie là-bas, en effet, est un exemple mais de vraiment complètement réussi, qui fait envie.
Mélissa, est-ce qu'on peut penser décemment que Jamel aura un harem? Non, on peut absolument pas le penser. Non, d'accord. Bon, non, je pensais à lui, mais bon. Alors, Jamel ne fera pas l'émission. Vous dites, il est trop pudique pour accepter d'être lui-même devant les caméras. C'est ce que je crois, hein, après. Vous êtes moins pudique. Oui, moins pudique. C'était qui? Alors, qu'est-ce que vous avez appris de plus fort là-bas? Ils sont un tel exemple concret de l'autosuffisance, c'est-à-dire de se limiter et de planter pour manger, et pas plus, c'est-à-dire de ne pas s'enrichir, de ne pas être dans la notion de profit. C'est un peu la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça, ouais, exactement. Ça, ouais. Et puis, il y a un nouveau documentaire donc, produit par votre boîte qui s'appelle 416 Productions, qui s'appelle « L'absente maman est en prison », réalisé par Hélène Lamtrong. Alors, c'est l'histoire de mère en prison, et ça rejoint votre association qui s'appelle Relais Parents-Enfants. Je suis bénévole dans cette association depuis pas mal de temps, qui fait un boulot très simple, c'est d'amener des enfants en prison voir leur mère. Ah, parce qu'aujourd'hui, quand une mère est en prison, l'enfant est placé à la DAS, il n'y a personne pour l'emmener voir sa mère. Ouais. Bref. Et on les a suivis, donc c'est rare d'avoir à la fois cette confiance de l'administration pénitentiaire et de ses femmes et de leur famille. Dans ces liens où on retrouve les enfants, où on ne les retrouve pas et on les éduque à distance. C'est un très beau film dont je suis très fière. Finalement, Mélissa, vous ne regrettez pas d'avoir refusé le 20h de TF1? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout? Ah non, absolument. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Bravo. On me dit dans l'oreillette qu'on a un message de Jamel, il dit de prendre du pain en rentrant. Très bien. Tradition, comme d'habitude. C'est drôle de vivre avec un comique. C'est sympa. Les Maasai, c'était pas pour faire un break dans votre couple. Pas du tout. On va voir. On va faire une interview. Jamel, mon amour. Mélissa, qu'est-ce que vous n'aimez pas que Jamel fasse? À manger. Ah. Qu'est-ce que Jamel ne comprend pas? Les gens de droite, l'UMP, par exemple, c'est un concept qui lui échappe. Oui, il aurait besoin. Il ne comprend pas plein de choses, que porter des chaussures vernies avec un survêtement, c'est moche, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus énervant chez Jamel? Ça répartit. Ouais. Quand on s'engueule, c'est toujours lui qui gagne, et c'est pénible d'être drôle. Ouais. C'est court. Qu'est-ce que vous avez fait à contre-cœur pour Jamel? Boire du Fanta tiède chez ses parents. Ah. C'est une boisson locale à laquelle j'ai du mal à m'habituer, mais on s'adapte, hein, comme chez les Maasai. Qu'est-ce que Jamel doit encore apprendre dans la vie? À arrêter de jurer sur la tête de sa mère toutes les trois phrases. Ah oui. Ça l'a laissé tranquille, sa maman. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à Jamel et que vous ne lui direz jamais? Mais je le dirai certainement pas ici. Ah, vous me méfiez. Thomas Touroudre, bonsoir. Alors, vous êtes le présentateur du Bifort du Grand Journal, la révélation de la dernière rentrée, celui dont tout le monde parle en ce moment. Enfin, après Julie Gayet, Dieudonné, Schumacher, Ronaldo, Michael, greffé du cœur. Mais après, c'est bon. Après, c'est vous. C'est bien, c'est bien. Alors, sur Canal, vous présentez l'équipe du dimanche. Vous ne faites pas ça autour d'une table, mais comme un stand-up à l'américaine, debout, en balançant des conneries, un peu comme François Hollande, quoi. C'est ça. Mais il le fait mieux que moi. Ouais. Alors, François Hollande, grand amateur de foot aussi. D'ailleurs, on le voit là, regardez. Même le foot, il sait le faire, quoi. Oui. Non. Ou pas, quoi. Ou pas. Alors, Thomas, vous avez apporté une touche d'humour au football, un peu comme Patrice Evra, finalement. C'est ça, oui. Hein? Même si son humour n'a pas toujours été bien compris. Mais... Ouais. Alors, on me dit, là, on ne vous reconnaît pas en clair, là. Les gens ont tellement l'habitude de vous voir en crypté, ils ne vous reconnaissent pas. Est-ce qu'on peut le passer en crypté pour que les gens le reconnaissent, s'il vous plaît? Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est plus clair. Alors, désormais, oui, tout le monde peut vous voir en clair dans le Bifort du Grand Journal, le JT de la pop culture. C'est ça. 18h10, tous les jours, sur Canal+. Alors,
Pour mieux comprendre qui vous êtes, on va juste regarder la première séquence de la première émission. C'est incroyable. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, hein, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. De... Moi aussi, j'ai un gros cul. Moi aussi, je sais pas danser, mais j'ose pas le faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous allez aller très loin, vous allez voir. Hein. Ben, ah non, mais vraiment, bien. Vraiment. Non, c'est vraiment. Merci, merci. Merci, Thierry. Levez-vous, levez-vous. Ah ben si, j'ai un gros cul. Ah ben si, si. Ce mec est too much. Alors, vous mouillez votre chemise, faites des vannes, des sketchs, du rap, vous parodiez Thriller, énorme parodie de Thriller qu'on peut voir sur Internet. C'est le rugby qui vous a donné le sens du n'importe quoi, comme ça? Oui, certainement. Enfin, après les matchs, surtout. Alors, dans le Before, ouais, il y a également des magnétos incroyables. Il y avait Connasse. Il y avait. Qui était ça, piqué Before, par le Grand Journal, ouais, qui est ça. Vachement bien, mais ils l'ont chouré. Il y a le complot et il y a le dézapping que j'aime beaucoup. On va regarder à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste contestataire néerlandais Ploem van der Beem. Pour soutenir la communauté gay face au régime totalitaire russe, j'ai décidé de péter dans les chocs à pic. Biologie, de plus en plus pédée, les phoques auraient du mal à reproduire l'espèce. Infotrafic du week-end, une journée orange dans le sens des départs entre le Maroc et les Pays-Bas avec des go-fast à prévoir sur l'autoroute du Soleil. Pilon futé est également en alerte orange avec des livraisons de shit prévues entre Porte de la Chapelle et Porte de Clichy. Paradoxe, il regrettait son adhésion au Front National alors qu'il était noir, juif et homosexuel. Jean-Damien Nicolas du Val d'Oise vient de réaliser qu'il était aussi un peu con. Voilà. C'est le dézapping dans la Before du Grand Journal. C'est vachement bien. C'est une super idée de faire un faux zapping. C'est un concept formidable. Ouais. Alors, Thomas, il y a quelques semaines, j'ai dit du bien de vous dans les Un Rock. J'ai lu ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Ben oui. Non, mais vraiment. J'ai pas compris. Si vous êtes porté préjudice, non? Peut-être, non, c'est possible. Je sais pas. C'est possible. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit du bien de vous. Mais je le pense, en fait. Ben, merci beaucoup, Thierry. Alors, Muriel Robin, rebonsoir. Vous faites un retour sur scène triomphal avec votre spectacle Robin revient soin de soin, prolongé au Palais des Sports à partir de vendredi prochain, 23 janvier. C'est formidable, tout le monde adore. Wonder Woman, Muriel Robin. Le DVD dans les bacs, en plus. Tout le monde peut l'acheter. Alors, pourquoi de soin de soin et pas poète poète? Ça, c'est des questions importantes, ça. Je crois, c'est une question de fond, parce que je me serais appelée Muriel Rebouette. Oui, bah oui, oui. Certainement, j'aurais pris poète poète, mais bon. Ça Robin... explique pourquoi pas prout prout non plus, alors. Ah, bah, alors, brout. Ouais, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non. Alors, sur scène, vous êtes super fic, là. Je suis moi, Thierry, je suis moi. Viens me dire ce que j'avais fait, non, mais attendez. Mais je fais très attention à moi, je me nourris bien, je ne fume plus. Donc ça, là, déjà, on gagne en énergie. Ah, vous en parlez dans le spectacle des cigarettes. C'est un truc de dingue, ce qu'on gagne en énergie, il y a une différence qui, enfin sûrement, en tout cas, elle était énorme. Attendez, Muriel, combien vous avez fumé de cigarettes depuis le début de votre vie? Moi, j'ai fumé, j'ai fait le calcul, ça fait 400 000, donc j'ai fumé 40 km de clope. Paris-Melun, en cigarette. Vous avez commencé à 14 ans, en plus. Je dis dans le spectacle 8 ans et demi, mais en fait, la première fois que j'ai pris un mégot resté allumé, laissé allumé par mon père, j'avais 5 ans. Ah ouais? Mais je vais très bien parce que je n'ai pas fumé et pas bu jusqu'à l'âge de 5 ans. Ouais. Et vous avez arrêté comment de fumer, alors? Faut enlever tout ce qui fait chier dans la vie, tout ce qui fait qu'on fume, tout ce qui fait qu'on a moins envie de vivre, tout ce qui fait qu'on a un peu envie de mourir, parce que moi, la cigarette, je l'associe, moi, hein, à la mort. Donc à partir du moment où on a un peu réglé tout ça, ben, un jour, on se lève et on se dit, ben, ça ne sert plus à rien, ce truc-là, je veux vivre. Je ne vais pas me foutre ça dans le cornet.
Et je sens quand elle m'attire, c'est quand je suis un peu comme la dépressive que j'ai au fond de moi. Quand elle vous êtes beaucoup moins dépressive. Moi, je vous ai connue extrêmement dépressive. Oui. Et de mauvaise humeur, j'étais Muriel. Dépressive et grosse. Maintenant, je suis joyeuse et fit. Oui, non, non, mais je suis devenue celle que je voulais être, celle que je devais être, mais il a fallu j'ai bossé. Moi, je vous ai connue à une époque, vous étiez de mauvaise humeur. On disait, oui, il y a Muriel Robin qui vient, tout. Non, mais franchement, oui, mais je sais, mais on s'angoissait, nous. Mais moi, je manquais parce que j'avais peur de tout. J'avais beaucoup de boulot, mais il était payant, la preuve. Quand on me dit ça, c'est ma récompense. Oui, oui. Vous avez fait du sport? Je fais du sport, oui. Vous avez bonne mine, c'est peut-être le fait de ne plus fumer, je sais pas. Je pense. J'ai toujours eu plutôt une belle peau. Ouais. Non, mais Muriel. Ça va, oui. C'est pas un peu suspect, tout ce bonheur-là? Ça vous angoisse pas, non? Oh bah si, il y a des trucs qui vont pas encore. Enfin, j'essaie d'en trouver, ça devient difficile. Donc là, comme ça. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Toutes les réflexions, comme ça, sur le physique et autres, faites-les maintenant, parce qu'après, moi, je vous entends, ça me déconcentre, ça me... Hein? En plus, je vois à peu près ce que vous allez dire. Hein? Genre, tu crois qu'elle a fait de la chirurgie esthétique? Écoute, je sais pas, la gueule, je sais pas, mais le reste, c'est sûr, hein, bon. Donc ça, c'est fait. Je grossis avec mes salles. Oh. Ah oui, c'est ballot, ah oui, c'est ballot. Parce que le tintamarre, hein, pour mes mots, le tintamarre, 180 places, le splendide, 400 places, aïe, 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 l'Olympia, 2200 places. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais quand j'ai fait la tournée de tous les zéniths de France et de Navarre, hein, qui montent quand même à 4000 places. Alors, évidemment, j'ai refusé le Stade de France. Trop risqué, ah bah oui, trop risqué, là j'allais exploser en plein vol, hein. Il est noir-noir ou noir un peu? Paf, plus personne, tac, terminé. On l'a perdu, voilà. Je crois que je suis plus sereine, tout simplement. Deux secondes, y a quelqu'un en coulisses avec un stylo, là, je sais pas, j'entends tic, 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 tic. Alors je sais pas, on va aller choisir la couleur, on va dire rouge, et puis on va tout écrire en rouge. Voilà, hein, merci. Ouais, alors... Oui, qu'est-ce que je disais, oui. Plus sereine, voilà, c'est ça. Muriel Robin revient, soin de soin. C'est le 23 janvier au Palais des Sports. Plus une tournée, j'imagine, dans toute la France. Enfin, bon. Oui, je fais les zéniths. Alors, vous dites, c'est pas ma vie que je raconte sur scène, c'est la vie. C'est vrai que vous avez accumulé tellement d'expériences que finalement, vous trouvez de l'universel dans votre intime. On a tous un dossier avec papa, avec maman, enfin avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait de sa vie, l'amour, le rapport à soi, etc. Parce que si ça avait été que m'écouter parler de moi, ça ne serait pas très intéressant, puis ça ne m'intéresserait pas moi non plus. Ouais. Donc, Alors, vous racontez votre enfance, votre montée à Paris, vos galères, votre succès, évidemment. Et puis, il y avait le poids aussi. Vous dites, quand on frôle les 100 kilos et qu'il faut monter sur scène... On est toujours malheureux. C'est un petit bazar, quoi. Hein. C'est un petit peu compliqué. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. On se trouve moche, on se trouve pas bien. On a dit non à toutes les invitations pour ceci, pour cela, parce qu'on n'a pas de vêtements, parce qu'on a acheté un truc chez les hommes et puis on va pas se mettre ce pantalon qui se ferme à l'envers, on est mal. Chez les filles, il n'y a rien, parce que ça s'arrête au 32, quoi. C'est un truc. Donc on dit, on a l'impression d'être un mammouth. Enfin, et on dit, on est rentré sur scène avec les gens qui font bravo. Et c'est compliqué. Maintenant, je vais bien, donc j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de. Et puis, voilà, Muriel. Mais... Yann. Hey, you kissed a girl. Yes. Alors, c'est super, non? Oui, je vois. Quand je pense que vous avez raconté pendant des années, je suis bisexuel, je pourrais finir ma vie avec un mec. Si ça avait été clair, je vous jure, sur la tête de mes parents, la tête d'Anne, la tête de. Que j'aurais dit, voilà, c'est comme ça, je suis... Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et à un moment, on ne va pas, à des interviews, dire, hier, j'ai couché avec un garçon, je n'allais pas me justifier, après-demain, je vais coucher avec une fille. On ne justifie pas, c'est la vie privée, c'est intime. Ah, c'est très marrant, d'ailleurs, parce que vous êtes lesbienne et vous ne jouez pas au tennis, ce qui est assez... Comment vous expliquez ça, Muriel? Vous avez dit au tennis? Oui. Ah! Sinon. Bruno Le Maire, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vu, Bruno,
François Hollande est meilleur pour séduire les actrices que les Français, hein, vous avez vu. Ouais. Ce qu'on a découvert avec Hollande, c'est pas qu'il voulait devenir président de la République, il voulait juste devenir Sarkozy, en fait. Mais il est fort quand même, non? Vous trouvez pas un mec qui prend 15 kilos et qui chope une actrice comme Julie Gayet, c'est bien, hein? Oui, on attend de lui qu'il s'occupe un peu plus des Français et puis ouais. un peu moins du reste. Hein. Oui, oui. Alors, on va reparler tout à l'heure, beaucoup plus sérieusement, évidemment, de François Hollande dans le débat. D'abord, on va parler de vous, Bruno. Vous êtes ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, député UMP de l'Eure, et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Que devient Bruno Le Maire? Il vient chez Thierry Ardisson, déjà, il ouais. se promène en France, voilà, il va voir les Français, il prend ah le oui. temps. L'opposition, c'est formidable comme temps. Oui. Le pouvoir, vous êtes enfermé dans vos palais, dans vos voitures, oui. au milieu de vos officiers de sécurité, puis là, vous avez du temps pour aller voir les gens, écouter, puis comprendre ce que vous avez raté. Parce que si vous n'aviez pas raté, vous seriez encore au pouvoir, vous n'auriez pas été battu. Alors j'ai vu aussi que vous avez essayé de vous lancer dans le spectacle, dans l'imitation. On regarde. Nicolas Sarkozy me convoque et me dit « Pompin Bruno, tu vois, on va te changer de poste là ». Président. Donc je prends mon téléphone, j'appuie sur la touche 1, le téléphone sonne et une voix me répond à l'appareil. Chirac à l'appareil. Bruno, vous êtes bien le directeur de cabinet du Premier ministre. Je dis oui, monsieur le Président. Eh bien alors, vous prenez votre décision et vous me foutez la paix. C'est bien. Non, mais franchement... En position, il faut apprendre à se convertir un peu. Hein, bah oui, on se demandait ce que vous faisiez, en fait. Le cinéma, il fait des stand-up. Voilà. Il est parti du Palais des Sports, non? Alors Bruno, vous voulez toujours vous présenter aux primaires UMP en 2016? On verra, dans deux ans. Pour l'instant, ce n'est pas l'urgence. Non, parce que président de la République, avec ce qui se passe, je ne suis pas sûr que votre femme soit d'accord. En tous les cas, il faudra changer de nom, hein, parce que Bruno Le Maire pour un président, c'est pas... Oui. Vous savez, dans cette période de municipale, je souffre beaucoup. Ah, c'est parce bien. Que je fais 15 cérémonies de vœux par semaine, et à chaque cérémonie de vœux, le maire qui m'accueille dit « Voilà, ce soir, je suis heureux de vous accueillir, parce que vous avez deux maires au lieu d'un. » Et voilà, et voilà. C'est des vanneurs, les mecs. Dites-moi, vous avez vraiment les cheveux comme ça, poivre et sel, ou vous les teignez pour faire plus sage? C'est purement naturel. Il y en a qui préfèrent, dans la politique, se teindre les cheveux en noir. Oui. Moi, c'est du naturel. Voilà. Très bien. En tous les cas, mine de rien, Jean-Christophe Ruffin, qui est quelqu'un d'extrêmement respectable, a déclaré à propos de vous, sa stratégie est de se faire passer pour un homme gris. En réalité, il en a sous le pied. Vous avez décidé d'être gentil ce soir, Thierry Ardisson. Ça, c'est très surprenant. C'est avec vrai. Thomas, avec vous avez raison. Vous je tombez sur un jour, mais je suis sympa. Ah non. Non, c'est une erreur, c'est lui. Désolé, je me suis trompé de sampleur. Alors, le problème, c'est Sarkozy, évidemment. Alors, on dit qu'il pourrait créer un nouveau parti pour être président de la République et que si ça ne suffit pas, il pourrait créer un nouveau pays. Vous y croyez? Je ne vois pas le problème, Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy veut revenir, il est libre, il revient. Et puis après, il y a d'autres talents à l'UMP. Moi, je construis mon chemin, pas ouais. à pas, voilà, tranquillement, et vous, sereinement. Vous labourez la province en ce moment. Je laboure, mais c'est mon côté ministre de l'Agriculture. Et vous avez mis combien de temps à vous débarrasser de cette petite odeur de fumier qu'il y a au ministère? Oh, je ne m'en débarrasserai jamais, ça me plaît beaucoup. D'accord. Alors, on va voir tout de suite où vous vous situez sur l'échiquier politique. On va faire une interview. Je suis de droite, mais... Alors, Bruno, vous terminez mes phrases. Hein. Je suis de droite, mais je suis contre... Le cumul des mandats. Je suis de droite, mais je n'ai jamais été d'accord avec... Je dirais le débat sur l'identité nationale. Ouais. Parce que ça a conduit, finalement, à montrer rien. Du doigt des populations pour rien. Français, on est fiers de l'être, on l'assume, on en est heureux. Pas besoin d'en débattre pendant des heures. Je suis de droite, mais Jean-François Copé... L'est aussi. Je suis de droite, mais il faut reconnaître que François Hollande... a eu raison de reconnaître que la France avait un problème d'offre. Ouais. Que c'est les entreprises qui créent des emplois. Je suis de droite, mais l'économie de marché... a besoin de règles. Je suis de droite, mais j'aime bien les chansons de... de Dalida. C'est pas... Eh oui. Oui. Qui était l'égérie de François Mitterrand.
Il venait d'avoir 18 ans. Ça vous plaît, ça? Il était beau comme un enfant. Ah non, il faut imiter Dalida. Fort oui, comme un enfant. Ça marche pas. Oui, très mais bien, j'ai pas Chirac. D'accent. Oui. Muriel va faire l'accent. Je suis de droite, mais si Nicolas Sarkozy m'invite à un spectacle de Carla Bruni, ben j'accepterai avec plaisir. Je suis de droite, mais en 2017... Bien, même si c'est la gauche qui est au pouvoir, je souhaite qu'en 2017, la France aille beaucoup, beaucoup mieux. Très bien. Bravo. Bravo. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est François Delapierre, secrétaire national du parti de gauche, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question, sommes-nous tous des Valérie Trierweiler? En août 2012, l'Express faisait sa une sur les cocus de Hollande, en dressant la liste de tous ceux que Hollande avait trompés par ses promesses. Depuis, cette liste ne cesse de s'allonger, au point qu'on se demande aujourd'hui si nous ne sommes pas tous des Valérie Trierweiler. Et vous le savez. Quand Hollande a été élu, Valérie s'est dit que sa vie allait changer. Lui président, elle aurait droit au tapis rouge. Nous aussi, on a cru qu'avec Hollande, le changement, ce serait maintenant. Mais on a vite déchanté. C'est quoi ça? Hollande a décidé d'augmenter la TVA comme Sarkozy. Hollande veut supprimer les cotisations familiales comme Sarkozy. Hollande expulse les Roms exactement comme Sarkozy. Comment tu peux faire ça? Il paraît qu'en découvrant la une de Closer, Valérie a eu un gros coup de blues. Un peu comme ceux qui croyaient avoir élu un président de gauche. Ça a dû leur faire un choc de voir que Hollande filait le grand amour avec le MEDEF. Écoutez, je crois qu'il a confirmé l'inflexion qu'il voulait donner sur la politique économique du pays, et c'est très bien. Pauvre Valérie, son moral est tellement atteint qu'elle a dû partir se reposer quelques jours à l'hôpital. Mais pour ce qui est du moral des Français, ça ne va pas fort non plus. Selon un sondage paru cette semaine, les trois mots qui résument le mieux notre état d'esprit actuel sont morosité, lassitude et méfiance. C'est vrai qu'il faut se méfier avec Hollande. Pour séduire la France, il s'était présenté comme un type normal. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Et d'un coup, le voilà obligé de se justifier publiquement sur des rumeurs concernant sa vie privée, comme Sarkozy avait dû le faire lui aussi en 2005. Comme des millions de familles, la mienne a connu des difficultés. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. Difficile de savoir comment ça va finir entre François et Valérie. Selon le Parisien, elle serait prête à tout pardonner à condition de retrouver sa place à l'Élysée. Sinon, sa vengeance sera terrible. Ben, pareil pour les Français. Si le chômage commence à baisser, ils sont prêts à tout pardonner. Sinon, comme Valérie, ils pourraient être tentés de se venger. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Bravo à tous les deux. François Delapierre, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche. Bienvenue parmi nous, voilà. François Hollande, mesdames, messieurs. Alors, Hollande est devenu social-démocrate. On se souvient quand même qu'aux primaires socialistes, la motion social-démocrate, incarnée par Manuel Valls, avait fait 5%. Donc finalement, lui, il est devenu social-démocrate. Vous y attendiez, vous? Un peu, malheureusement. Ouais, ouais. Mais je veux dire, il arrive même à décevoir les gens qui attendaient rien de lui. Hein. Ouais. Parce que si vite, quoi. Bah, il a quand même mis 18 mois pour se rendre compte que sa politique n'était pas terrible. Et quoi. Surtout pour nous présenter le programme de Sarkozy, qu'on a quand même battu. Ouais. Donc on se demande pourquoi on organise une élection présidentielle. Ouais. On fait des élections pour occuper les gens, ça n'a aucune conséquence, on a le même programme qui continue. De tout ce qu'il a défendu, rien n'était dans son programme de l'élection présidentielle. Alors votre ami Mélenchon a dit « Hollande et Gattaz, c'est du sérieux ouais. ». C'est vrai? Oui. Ça a l'air de bien se passer entre eux. J'ai l'impression. Il a récité le programme de Gattaz, il a prononcé ses voeux de fidélité au MEDEF devant tout ce parterre de journalistes qui étaient là. Alors Bruno Le Maire, vous devez être content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que je pense qu'il y a une déception immense vis-à-vis de François Hollande.
Les premiers déçus, évidemment, ça doit être les gens de gauche qui ont dû croire à son discours du Bourget, à la nécessité de mettre la finance au pas. Puis 18 mois après, effectivement, ils déchantent. Mais les vrais cocus, c'est les Français. Oui. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que ça aille mieux pour les Français. Le reportage était bien fait. La méfiance, la peur, la crainte, la France mérite mieux. Si jamais il met vraiment en œuvre ce qu'il a proposé à sa conférence de presse, baisser les charges, soutenir les entreprises, remettre de la liberté dans notre économie, ça peut créer des emplois. Ben, si ça marche, tant mieux. La seule chose qui m'intéresse, c'est que ça aille mieux pour les Français. Parce que finalement, Bruno, la social-démocratie, c'est faire voter par des députés de gauche des mesures qui mettraient la France dans la rue. C'était la droite qui les prenait. La seule chose qui compte, c'est qu'au bout du compte, ça aille mieux. Muriel, ce tournant, vous en pensez quoi? Rien. Ah ouais? C'est très clair. Pourquoi? Parce que je ne m'y intéresse pas, j'ai pas le temps, je n'arrive pas à m'intéresser à la politique. Ah, pas du tout. Non. Je comprends, Muriel, qu'on puisse s'en désintéresser techniquement, du coup, et puis dans ce flot d'annonces. Moi, je pense qu'il lui reste 3 ans, que ça fait certes 18 mois, et qu'il y a encore 3 ans, et qu'on a élu François Hollande, qui est président aujourd'hui, et qu'il faut le laisser, en effet, prendre les marques, le temps et les décisions qui lui semblent être les bonnes. Faites partie des 17% de Français qui croient encore. Non, mais je fais partie en tout cas des gens qui ont envie de voir avant de juger plutôt que d'être dans cette critique systématique, ouais. Qui était le cas sous Sarkozy, qui m'énervait ouais. De la même façon. Donc, c'est ouais. Pas tant dans quel camp je me trouve, c'est ouais. Plus de comment on accueille les annonces. Thomas, vous êtes satisfait du virage de François Hollande? Moi, ce que je regrette surtout, c'est que lorsqu'il a dit qu'il allait combattre la finance, il n'est pas du tout allé dans ce sens-là. Ce qui est catastrophique aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde entier, c'est faire fructifier et faire gagner de l'argent sur du rien, sur ouais. Du vent, sur de... Voilà. Et je pense que qu'on soit de droite ou de gauche, ça peut être bénéfique pour les Français, pour l'emploi, pour l'économie. Les cocus, c'est quand même les plus gros cocus, c'est vous, quoi, quand même, non? Oui, enfin, il a roulé tout le monde. Ouais. Il y a au moins... Je ne sais pas, Mitterrand, il a essayé. Ouais. Jospin, il a essayé. Après, ils disent, ah, j'y arrive pas, on fait autrement. Mais là, ouais. Il n'a même pas essayé. Dès ouais. Qu'il est arrivé, il a fait le contraire de ce qu'il avait raconté. Mmh. Et effectivement, il a fait du Sarkozy jusque dans les détails personnels. Mais ça, ouais. Ça a un peu une valeur de symbole. Bon, ils sont identiques sur tous les plans. Bon, et donc, le changement qui était promis n'a pas eu lieu. Il y a un problème immense. Bon, mais de la même manière, moi, je pense que Sarko n'est pas allé... suffisamment loin. Bah, il n'a même pas supprimé les 35 heures, Sarkozy. Voilà. Ah, non, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé dans ce... Parce que c'est un faux dur. Alors Hollande est un faux mou. Ouais, certainement, c'est possible. C'est possible. Alors, la gauche est cocu, la droite aussi, parce que maintenant qu'il est social-démocrate, voire social-libéral, il vous coupe un peu l'herbe sous le pied, finalement, non? Non, je ne crois pas, une fois encore. Du moment que les résultats sont là, que l'emploi redémarre, puis à nous après, comme le disait Thomas tout à l'heure, d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on a été battu en 2012? Pour une raison qui est simple. Notre électorat a estimé, à juste titre, que nous n'étions pas allés assez loin dans nos ouais. Idées, nos convictions, la mise en œuvre de ce que nous avions promis. Ben, quand notre électorat est déçu, quand votre électorat est déçu, il y a toujours le boomerang qui vient. Toujours. Alors, cocu la gauche, cocu la droite, cocu les chrétiens, parce qu'il a quand même fait le mariage pour tous. Maintenant, il va au Vatican, sympa, le pape le reçoit, tout va bien. Vous avez l'air d'admirer la performance. Ben oui, j'admire, il a cocufié les fonctionnaires. Parce c'est qu'il va, il va diminuer acteur, les dépenses publiques, il va supprimer le millefeuille administratif. Donc, il est très fort. Vous savez comment on l'appelait? On l'appelait le boulanger de Solferino, parce qu'il roulait tout le monde dans la farine. Franchement, il est habile, non? Eh bien, j'aimerais qu'il soit un peu moins habile et un peu plus courageux. Je oui. Pense que la France s'en porterait 1000 fois mieux. Alors, ce qu'on a découvert quand même à l'occasion de cette séquence conférence de presse, c'est qu'en fait, il a des couilles. Parce que tout le monde disait, Hollande, bon, c'est un mollasson, c'est un mou, etc. En fait, il y a un livre qui est sorti, écrit par Cécile Amard, du Journal du Dimanche, dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va mal ». Et finalement, on découvre dans ce livre qu'il engueule ses conseillers. Donc, c'est un truc très... qu'on n'aurait pas pensé. On pensait qu'il était super affable avec tout le monde. Vous le saviez, ça, vous? Oui. Il prend ses décisions tout seul. Oui. Ah non, mais alors, sa technique, c'est qu'il voit les gens ouais. Et il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre.
Donc alors il va dire, je prépare un remaniement, alors il va voir, je sais pas, à Pierre Laurent, en disant, bon, il y a une petite chance, ça peut s'organiser, il y a une petite place, parce qu'il pourrait y avoir un nouveau cours, mais j'ai pas encore décidé, j'attends de créer les conditions. Bon, et puis il va voir Manuel Valls, il lui dit, il faut y aller maintenant, les passerelles avec la droite, et puis chacun est là en train d'attendre. Bon, et puis en général, il prend une décision qui déçoit tout le monde, ouais. En prenant tout le monde par surprise ouais. Et par traîtrise. Il est fou. C'est sa manière de procéder. Ah oui, ça je... Bon, il se trouve que... Je suis peut-être celui qui le connaît le mieux, puisque j'ai été au bureau national du Parti Socialiste quand il présidait cette institution. Et donc, je peux vous le dire, voilà, c'est comme ça qu'il fait. Tu savais ça, qu'il était... Non, mais je m'en fous, mais alors... Mais je m'en fous très... Parce que ça, là, ce dont on est en train de parler, c'est le spectacle politique. C'est le spectacle de la politique. C'est voilà, la façon dont l'État est dirigé, Thomas. Oui, peut-être, mais à la limite qu'il prenne ses décisions tout seul, s'il prend des bonnes décisions, très bien, voilà, bravo à lui. Ouais. C'est plutôt l'action politique, la politique au sens citoyen du terme. Ah, mais quand tu passes sur lui pour ça. Ah ben non. Oui, non mais attendez, non. Non mais ça c'est une autre question. Par exemple, Hollande, tout le monde croit que vu ses succès, il est caché dans un placard à l'Élysée, qu'il a honte de lui. Pas du tout. Il paraît qu'il est très sûr de lui, très content de lui. Il est un peu vaniteux. Il pense qu'il a raison. Enfin c'est un personnage qu'on soupçonne pas. Sauf que le monde est en train de s'écrouler autour de lui, bah oui. Qu'il n'a plus le soutien des Français et qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte... Quelle que soit la politique que l'on veuille conduire, c'est qu'on soit sincère dans ses convictions et déterminé dans pensez-vous, le cap qu'on fixe. Pensez-vous que ce soit encore le cas ? Ben, je pense que c'est pour encore les Français, possible, quel que soit le bord politique ou la sensibilité... Bien sûr, parce que des responsables politiques qui se comportent en irresponsables, il ne faut pas s'étonner après que les Français les rejettent. Muriel, ça vous emmerde toujours. Je me suis un poil assoupi à un moment. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Sandrine Diouf. Bonsoir. Alors Sandrine, vous êtes la veuve de Mousse Diouf, le célèbre inspecteur Ngouma dans Julie Lescaut. Frappé par un AVC en 2006, Mousse finira par mourir en 2012. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Au-delà de la vie », publié chez Michel Lafon, et à 20h dans sa vue éternelle. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il est où l'avion ? Je l'aime un peu, beaucoup. Mais François, qu'est-ce qui te prend ? On est en hiver, la nature dort et toi tu roucoules comme une palombe sous extasie. Enfin François, toi président, moi désolé, enfin je veux dire... Moi, je commence à mieux comprendre pourquoi tu étais tellement inquiet pour ta prostate, parce que t'en as besoin en ce moment. C'est... Non, mais je sais, mais c'est quand même passionnant ce qui se passe. Je veux dire, mais on est vernis. La chance d'avoir dans la tête depuis une semaine cette image de Hollande en train de culbuter une meuf, c'est... Moi, c'est... Non, mais c'est simple. Moi, depuis les vidéos porno sur le thème nain et femme enceinte, j'ai jamais été autant excité. Ah ouais. Alors, parce qu'il faut pas se mentir, on a tous envie d'imaginer Hollande en levrette. Ouais. C'est... Ben oui, mais bien sûr, mais s'il vous plaît, soyez sérieux, quoi. Comment il s'y prend, comment il bouge, tu te racontes le scénario, tu l'imagines arriver tout fringant, tu vois, sur le scooter, personne à gauche, personne à droite, bam, la Pompadour, tu vois, le truc. Alors, on dit que c'est une affaire privée. C'est pas vrai. Pendant que Hollande cavale comme un ado, qui fait l'amour à la France ? Mais maintenant, tout s'explique. C'est son envie du mariage pour tous. C'est normal. Ah oui. Moins il y a de concurrence, plus il y a de choix. C'est comme ça. Non, mais le mec, il gère sa double vie comme un héros du Miel et les Abeilles. Je veux dire, quand tu penses que Mitterrand a réussi à cacher sa fille pendant 20 ans... Non, parce que lui, en termes de camouflage, il n'est pas prêt pour rejoindre la Légion étrangère. Je veux dire. Là, il a... Il arrive à se faire gauler dans le quartier le plus surveillé de Paris oui. Par un paparazzi de closer. Non mais, sa maîtresse, elle habite à 150 mètres de l'Élysée. Sur ces 150 mètres, tu passes devant le ministère de l'Intérieur, l'ERG, l'ambassade américaine, l'ambassade israélienne, et lui se fait gauler comme un lapin dans les phares. Enfin, je veux dire ça. Alors, évidemment, comme d'habitude, la droite a réagi avec l'intelligence qui la caractérise, donc par la voix de Christian Jacob.
Non, mais Jacob, j'ai rien contre lui. Hein. Je veux dire, si tu le mets dans L'Amour et dans le Pré, tu tiens l'Albert Jacquard de la saison. C'est pas... À l'Assemblée nationale, c'est plus tendu. C'est plus... Enfin, toute cette affaire... Il dit, ah oh, ouais, toute cette affaire, ça montre qu'il y a une faille dans la sécurité du président. Chut. Au lieu d'en profiter. Petit matin, Morano déguisé en bouchère, Lefebvre Guéant en embuscade dans une vieille R5, c'est la fine équipe du 92. Bam, dans la fourgonnette, parachutage du colis dans une zone tribale au Sahel. Enfin, tu vois, il est où Hollande? Voilà, c'est terminé. Mais bon, il est chamboulé, il est chamboulé. C'est normal, il est en train de découvrir le sexe. Pardon. Non, mais... Au début, c'est perturbant. Mais il arrive à le cacher comme il peut. Alors certains tombent dans le panneau. Tout le monde est tombé dans le panneau ici. Oui, mais à la conférence de presse, il a impressionné. Il a dit oui, je suis social-démocrate. Mais non, il n'est pas social-démocrate. Il est amoureux. Parce qu'en ce moment, c'est un ado. Il raconte n'importe quoi, je veux dire. Enfin, tu connais les ados. Moi, j'en ai une. Bah, bon, on vient de se séparer parce qu'elle me trouve un peu immature. Une ado, c'est quoi? Tu vois, cette semaine, il est social-démocrate, la semaine prochaine, il est gothique, puis dans un mois, il va porter un t-shirt Les Jeunes avec Giscard. C'est... Là, cri-cri d'amour, il faut le laisser galoper au lieu de le contredire. Il faut laisser couler, ouais. Tu lui donnes de l'argent de poche pour son flipper, et tu lui achètes une boîte de capote, un déo, une bouteille d'eau précieuse, vas-y, tu vois. Alors forcément, à un moment, il devait quand même parler de son histoire de fesses. Moi, je m'attendais à un truc pittoresque. Un truc comme Sarko, tu vois, avec Carla, c'est du sérieux. Lui, je le voyais dire, avec Valérie, c'est du sursis. Alors, on lui demande, mais comment va la première dame? Et lui qui répond, elle se repose. T'as l'impression qu'il parle de sa grand-mère oubliée dans un hospice sur la Côte d'Azur, tu sais. Quand il a dit ça, j'imagine déjà Valoche en train de nourrir des cygnes en blouse blanche. Mais j'y même, tu vois, c'est pas... Bon, il paraît qu'elle récupère. Surtout si on lui a rapporté le L de cette semaine, il doit être un fou. Laissez-le tranquille, Kev Hollande, laissez-le. Enfin, il faut qu'il s'éclate. Kev Hollande. Bah ouais, enfin, tu vois, tout le monde le pousse. Vas-y, décide-toi, le choc de simplification. Alors, pour se renseigner, moi j'ai suivi les statuts Facebook des intéressés. Trierweiler, en couple, mais c'est compliqué. Gaillet, célibataire, mais ça se précise. Et lui, il a marqué « C'est compliqué, mais j'ai prévu de créer un observatoire du sentiment amoureux qui prendra la décision. Ouais. » Bien sûr, il n'est pas seul dans cette histoire. En face, il y a une autre dame qui piaffe. Et pourquoi elle? Pourquoi Julie Gaillet? Alors, il faut être honnête. Enfin, il ne s'est pas mis avec elle pour sa filmographie. Non, c'est... C'est pas être méchant que de dire ça, je veux dire, la meuf révélée en 96 par Delphine 1, Yvan 0, c'est le seul film français qui a eu la lucidité d'annoncer le nombre d'entrées dans son titre. Enfin, Kennedy avait Marilyn qui lui chantait Pompompidou au congrès, là on va vers quoi? T'as la Bellevilloise, une meuf qui va chanter le temps des cerises pour une galette au quinoa, enfin je veux dire... Passons à des sujets plus sérieux. Santé. Bouteflika hospitalisé au Val-de-Grâce. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait une chute de ski à Méribel. Il a fait un... Bon, qu'il soit venu se soigner en France, c'est quand même l'aveu qu'on a eu la colonisation un peu mesquine. Non, mais c'est pas que notre faute. S'ils avaient été un peu moins obnubilés par leur désir d'indépendance, en plus des routes et des égouts, on aurait pu laisser un système de santé qui marche. C'est une idée. Bonne nouvelle de la semaine, y en a-t-il une? Oui. Le ballon d'or a été remis à Cristiano Ronaldo. Certains disent que Ribéry le méritait. Oui. Mais qui aurait traduit son discours? Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust. Vous retrouvez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h, sur Canal+, et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Sandrine Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 8 avril 1973 à Marseille, où vos parents tenaient un café. Oui. Dès votre enfance, vous consacrez votre vie à la gymnastique et vous devenez une sportive de haut niveau. Vous apprenez très tôt à vous battre. Exactement. À 14 ans,
vous rencontrez le premier homme de votre vie. C'est avec lui que vous aurez un enfant, Gaëtan. Vous aviez 20 ans à l'époque. Oui, il a 21 ans maintenant. Ouais. Le 8 avril 1998, vous rencontrez Mousse Diouf. Alors à l'époque, vous travaillez à la billetterie du Stade Vélodrome. Vous êtes en couple avec Makelele. Et le soir après le match, vous participez à un dîner à la Villa Borghese. L'ambiance est assez conviviale. Mousse Diouf fait des blagues. Et vous dites que sa présence est un moment de bonheur. Il s'est embouté en train, il parle à tout le monde, il est charmeur. Ouais. Une belle rencontre. Alors, vous reverrez Mousse Diouf en 2000 au VIP Room. Oui. Mousse Diouf, à l'époque, est séparé de Sylvie, la mère de ses deux filles, et il vit à Bobigny chez sa mère et vous à Marseille, avec votre fils Gaëtan. Mais vous êtes à Paris une semaine sur deux et lui, il descend le week-end à Marseille. Donc, c'est quand même... C'est assez fort comme relation. Ah, je l'aime à mourir. Il me redonne confiance parce que je vis une séparation pas évidente. Alors, en 2003, vous êtes enceinte. Oui. De Mousse. En 2005, Mousse quitte Julie Lescaut. Il veut faire du cinéma à l'époque, mais les choses sont plus compliquées que prévu. Alors, bon, voilà, il sort beaucoup et il rentre tard. Mousse vit la nuit et puis il rêve d'un premier rôle, mais sauf que le premier rôle, on ne le trouve pas dans les discothèques la nuit. Il y a un jour terrible où il est à Monaco. Il vous appelle un soir pour vous raconter sa journée, un peu comme tous les jours. Et vous le trouvez assez pressé. Il raccroche assez vite et il raccroche mal le téléphone. Et là, vous entendez ses ébats avec une autre femme. Après, il vous expliquera qu'il avait prêté son téléphone à un copain, mais vous ne le croyez pas. Pas du tout. Non. Ouais, je vis un tremblement de terre. Je l'aimais. Ouais. Donc j'accepte, je lui pardonne. Ouais. Et puis, c'est la première alerte. Mousse assiste à un match de foot avec un ami. Cet ami vous appelle et il dit « Mousse boit beaucoup en ce moment, il se drogue. Je trouve qu'il est bizarre. » Alors que vous, vous savez qu'il ne se drogue pas, non. Qu'il ne boit pas et qu'il n'est pas spécialement bizarre. C'est quelqu'un de très sain. Alors... Finalement, ils rentrent tous les deux à Paris avec son ami et Mousse titube comme s'il était sous. Il vomit. Il a 24 de tension. En fait, il vient de faire son premier AVC. Mais on ne me le dit pas. Et personne ne vous parle d'AVC. Pas du tout. Et il ne s'occupe pas de sa santé, en fait. Non. Il est fataliste, il dit si je dois mourir, cette mère, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien, c'est le problème de personne, c'est mon problème. Il est un peu dépressif à l'époque, donc il se noie dans la vie nocturne, les copains. Évidemment, le jour, il dort, il regarde des DVD. Et suite à cette affaire de Monaco et au fait qu'il sort tous les soirs, vous voulez le quitter? Oui, je l'aime, mais je sais que c'est pas un personnage pour moi. Ouais. Ça devient très compliqué. Et je me dis, je vais me détruire. Alors, pour se faire pardonner, il vous épouse à l'africaine, au Sénégal. Et un jour, il rencontre Michel Noider, le producteur d'Anthony Cavana, et ils décident tous les deux d'écrire un spectacle. Et là, le couple redémarre, parce qu'il reprend confiance en lui. Il se dit, finalement, j'ai arrêté Julie Lescaut, le cinéma, c'est compliqué, mais je vais faire du stand-up, quoi. Oui, et puis il travaille, vraiment. Il travaille. Moi, je suis surprise. Ouais. Vous dites, je reconnais enfin l'homme de ma vie. Mm. Le 23 février 2009, vous arrivez au théâtre du Gymnase, où Mousse Diouf doit jouer. En fait, il est réfugié dans sa loge. Il a vomi. Vous comprenez tout de suite, en fait. Vous avez peur. Il est incapable de parler. Il a les yeux vitreux. Il entre en scène. Et ce qu'il dit là est incompréhensible, n'est pas cohérent. On ne comprend rien. Et dans la salle, il y a 500 personnes, c'est-à-dire le tout Paris. Et il se plante. Il a dû jouer 10 minutes. La langue est lourde, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Il essaie de boire, il n'arrive plus à déglutir. Ça devient compliqué pour lui. Ouais. Alors, il y a Anthony Cavana qui est dans la salle et qui se souvient de l'AVC de sa grand-mère. Et qui dit, ça, c'est un AVC. Donc, on fait sortir Mousse de scène. Il n'est pas d'accord, d'ailleurs. Il gueule parce que vous l'enlevez. Et sous les yeux de toute la profession, il est obligé d'arrêter son spectacle. Oui, on ferme le rideau. Il est hospitalisé d'urgence, 25 de tension. Et les reins sont morts. C'est-à-dire qu'à partir de là, il sera obligé d'être dialysé toute sa vie
Ça veut dire 3 séances par semaine, ça. Oui, il a un taux de créatinine à 981, alors que le maximum, c'est 100. Déjà, à 60, on devient... on est en insuffisance rénale. Ouais. À 60, ça devient grave. Vous êtes dans quel état, vous, quand vous réalisez ça? Je ne réalise pas. Je ne réalise pas parce qu'il est, il est encore conscient, il me rassure, tout va bien pour lui. Ouais. C'est une force de la nature. Il se remet. Mmh. Il a une putain de patate. Mmh. Il veut vous épouser en France. Vous faites tous les préparatifs, évidemment. Mais 2 mois avant le mariage prévu, en août 2009, nouvel AVC. Là, c'est beaucoup plus grave. Le médecin dit, le cervelet saigne depuis des heures, le tronc cérébral est touché, il est foutu. C'est mort, on passe pas la nuit. Ouais. Alors le pronostic vital est effectivement très court, il fait plusieurs arrêts cardiaques pendant la nuit, on parle de le débrancher. Non, on parle pas comme ça. Ils nous font comprendre que ça devient un acharnement, qu'il vaudrait mieux le laisser partir et ne pas faire de dialyse. Et comme la dialyse est vitale dans son état. Vous le veillez à partir de là pendant 4 mois, un sacré dévouement quand même, non? Non, c'est normal, j'aurais pas pu vivre autrement. Ouais. Vous épiez le moindre signe de vie, mais il est inerte. Et un jour, contre toute attente, il se réveille. Moi, pour moi, déjà au mois de juillet, je voyais des améliorations. Quand je lui parlais tout le temps, jour et nuit, hein, je dormais à l'hôpital, j'étais en salle d'attente. Quand je lui parlais, je sentais qu'il me répondait, j'ai vu des hochements de la tête. Ouais. Mais on ne me croit pas. On me dit que c'est parce que je le veux tellement que c'est pas possible. Que son état ne le permet pas. Ouais. Et il n'y a qu'au mois d'octobre, début octobre, à force de lui poser des questions, il commence à bouger des membres. Ouais. Il ne se réveille pas comme ça en me disant où je suis. Ouais. C'est très lent. Alors quand il se réveille, effectivement, les médecins sont assez perplexes. Ils disent qu'il a des IRM qui sont catastrophiques. En fait, il devrait être mort. Ils ne comprennent pas. Et là, c'est la rééducation, terrible rééducation. Il va rester 2 ans en milieu hospitalier. Il progresse. Oui, j'ai eu de belles choses. Oui. Vous avez des souvenirs où il marche vers vous, où il essaye de s'approcher de vous. Oui. Mais il ne retrouve pas son autonomie. Et son état, à un moment, cesse d'évoluer. Donc, les médecins disent qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Donc, il va rentrer chez lui. Donc, il rentre chez vous. Et là, vous organisez des repas avec des amis. Il a des vraies conversations à ce moment-là encore. Il retrouve Oui, quand il est lucide, il a des moments de lucidité. Il est capable de parler, de chanter. Il a des soucis de mémoire immédiate. Mais tout le passé est dans sa tête. Donc, on parle... Il aimait la nuit, donc on lui parle de la nuit, ses copains arrivent. Ouais. Alors là, vous retrouvez un peu d'intimité, évidemment, sur le plan, disons, charnel, il ne se passe pas grand-chose, mais vous faites des siestes, vous collez tous les trois pour retrouver un petit peu de chaleur humaine, quoi. Devant Isaac, je n'ai jamais voulu rabaisser son papa et montrer qu'il avait un papa qui était malade. Isaac savait que son papa était malade, mais je ne voulais pas qu'il vive comme son papa était handicapé. Ouais. Que papa pouvait prendre des décisions. Alors, s'il avait une mauvaise note, j'en parlais à Mousse. Ouais. Et Mousse a toujours eu ce regard, il le regardait sévèrement. Et Isaac comprenait que c'était papa qui décidait quand même, quoi. Ouais. L'autorité. Ouais. Alors Mousse est couché en permanence hein, sur un lit médicalisé. Il est nourri par une sonde gastrique. Et puis là, il peut dormir 72 heures de suite. Quoi. Ouais. Il peut être réveillé 72 heures comme dormir 72 heures d'affilée. Là, vous devenez infirmière, quoi. Oui. Avec ce que ça comporte. Tout. Et vous occupez complètement de lui. Entièrement. Ça demande beaucoup de dévouement, d'abnégation et d'amour. D'amour. Vous savez qu'il va mourir, évidemment, donc vous sombrez un peu dans la dépression, ce qui est normal. Vous prenez des antidépresseurs. Oui, à un moment donné, il y a un matin, je ne peux plus me lever. Ouais. Je ne dors plus. Le peu de temps que j'ai à moi, je le passe sur Internet pour regarder comment ça va évoluer. Ouais. Le 6 juillet 2012, Mousse Diouf sombre dans le coma. Et juste avant qu'il meure, vous proposez à Isaac d'aller dire au revoir à son papa. Je dis, Isaac, papa est dans le coma. Isaac me dit encore, parce qu'il avait fait 2 ou 3 comas déjà. Il rechute et je lui dis oui, mais là, il va plus se réveiller.
Et je lui dis, par contre, on va descendre le voir, tu vas toucher son cœur, tu vas voir son cœur, il bat encore, tu vas pouvoir parler avec papa, lui dire ce que tu veux, parce qu'il va bientôt nous laisser, il va partir. Et là, on est descendus tous les trois avec Gaëtan, Isaac et moi. Ça a été très, très difficile pour Gaëtan et moi, et de me retrouver, moi, avec mes deux enfants, et vivre cette scène, voir Isaac dire au revoir à son père, parce qu'il y a vraiment dit au revoir. Puis j'ai préféré, à un moment donné, les laisser tous les deux. Et Isaac, j'ai dit, tu peux parler avec papa. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je n'ai jamais posé la question, et je pense que je n'en parlerai jamais avec Isaac. C'est entre eux. Et Mousse meurt dans la nuit. Oui, 1h50. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Muriel Robin au Palais des Sports à partir du 23 janvier. Mélissa Thoriot, rendez-vous en terre inconnue, c'est mardi sur France 2. Bruno Le Maire, député UMP de l'Eure. Thomas Touroud, le bifort du grand journal du lundi au vendredi. Et Sandrine Diouf pour Au-delà de la vie. Son livre témoignage, excellent, publié chez Michel Lafond. Merci encore. Je vous signale la sortie en DVD du documentaire de Simon Brook, Peter Brook, sur le fil. Excellent documentaire, une plongée unique dans l'intimité du grand metteur en scène. Salut les Terriens! Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.